Le gouvernement travaille en ce pont de l'ascension. C'est le message qu'a voulu faire passer la première ministre Elisabeth Borne en convoquant ses ministres à 8h30 à Matignon en ce vendredi de pont de l'ascension. Le gouvernement ne fait pas le pont. Communication très maîtrisée. Jacques Serret en direct avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Ce qui fâche a été soigneusement évité. Oui, en pleine polémique autour du ministre des Solidarités Damien Abad, Elisabeth Borne verrouille sa communication et les ministres interpellés à la sortie de Matignon ne sont pas plus prolixes, comme Olivier Véran au micro d'Alexis de la Fontaine. On a travaillé, le gouvernement est au travail. Où est-ce que vous êtes gêné avec ces questions? Mais s'il n'y a aucune gêne, je suis en train de marcher dans la rue, regardez, on va se faire écraser par une trottinette. Le gouvernement est au travail, voilà l'unique message. Et après 2 heures de concertation avec l'ensemble de son gouvernement, la première ministre prend la parole, fiche en main, pour détailler le contenu de cette réunion. J'ai tenu à réunir ce matin mon gouvernement pour un temps d'échange et de travail. Pour nous permettre de fixer un cadre commun à notre action, pour partager la nouvelle méthode voulue par le président de la République, concertation, co-construction et résultat. Déclaration très cadrée, pas de place à l'approximation et la presse tenue à bonne distance pour éviter toute question embarrassante. Une semaine jour pour jour après la nomination de ce gouvernement, le seul enseignement de cette réunion est que la première ministre a fixé 3 urgences, le pouvoir d'achat, la santé et le climat.